fréquence protestante. Les temps modernes. Laurence Roufouillé. Bonjour à tous, bienvenue dans les temps modernes. Chaque mois, notre émission vous invite à explorer les enjeux du nouveau monde, car notre ambition avec les temps modernes est de vous apporter des éclairages d'experts et des approches éthiques sur tous ces sujets qui pourraient broyer l'individu si l'on y prenait garde. Travail, économie, famille, citoyenneté, parentalité, rien de ce qui vous interroge ne nous est étranger. Alors, nous sommes à une semaine du premier tour des élections présidentielles, puisque nous sommes le samedi 2 avril. Et si votre opinion ne s'est pas encore arrêtée sur un candidat, eh bien, sachez que pour les 18-24 ans, c'est pire. 2020 a connu des records d'abstention des plus jeunes électeurs aux scrutins locaux. 72% d'abstention aux élections municipales, 82% aux élections départementales et régionales. Dans la classe, dans la catégorie, alors assez vaste, quand même, des 18-35 ans. Alors si les jeunes se rendent de moins en moins aux urnes, ça n'est pas pour autant qu'ils délaissent les sujets politiques qu'ils abordent avec d'autres moyens. Mais dans la perspective d'une élection aussi structurante que la présidentielle qui approche, comment peut-on encore réconcilier les jeunes avec les bureaux de vote? C'est ce que nous envisagerons ce soir avec nos trois invités de ce jour que je vais déjà vous présenter succinctement, mais qui se présenteront également eux-mêmes. Donc Dorian Dreuil, vous participez à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes membre de l'Observatoire de la vie politique et un spécialiste des enjeux liés à l'engagement et à la mobilisation citoyenne. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous pour votre invitation. Romane Piquet-Huliel, vous êtes un des membres et une des fondatrices de l'ONG A Voter. Et même chose, vous nous expliquerez ce que fait l'ONG A Voter, en particulier en réaction par rapport à l'abstention récente des jeunes. Et puis Louis Hervier-Blondel, vous faites partie, vous êtes un des directeurs donc d'un média en ligne qui s'appelle Le Vent se lève, sur un jour nouveau sans doute, je sais pas, vous nous le direz. Et vous êtes conseiller en stratégie et communication spécialisé en mobilisation et en croissance de notoriété numérique. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Alors pour préparer cette émission, je me suis appuyée notamment sur une étude récente, puisquelle a été publiée en février de cette année, donc qui a été réalisée par l'Institut Montaigne. Cette étude elle décrit donc une jeunesse plurielle. Alors elle ne parle pas que de la politique, mais elle parle aussi du rapport des jeunes au travail, à l'argent, à la carrière, aux valeurs. Mais il y a quand même un chapitre assez important qui est consacré au rapport des jeunes avec la politique. Et on se rend compte, les chiffres sont assez édifiants, parce que finalement, 64% de cette classe d'âge, donc les 18-24 ans, qui sont parfois des primo-votants, disent ne pas se sentir concernés par l'élection présidentielle, ne pas se situer sur l'échiquier politique, ne pas se sentir proche de quelque manière que ce soit, encore moins adhérent d'un quelconque parti. Certains n'ont ni fait leur choix, ni même décidé de se déplacer. Alors, est-ce que les jeunes et la politique, maintenant, c'est un divorce qui est consommé? Ouais, je pense pas. je pense pas. En fait, il y a un paradoxe qui est intéressant à observer, c'est que vous avez à la fois une jeunesse, et plutôt des jeunesses, qui se mobilisent, qui s'engagent, qui est politisée, parce qu'elles s'engagent de manière différente. Elles partagent des pétitions en ligne, elles participent à des manifestations, elles sont dans des associations de solidarité de proximité, donc elle est engagée. Et paradoxalement, elle vote moins ou elle vote plus du tout. Et ce qui est intéressant à observer quand on regarde les nouvelles formes de mobilisation citoyenne des jeunes, c'est qu'elles se font la plupart du temps en dehors des organisations. Et elles se font avec un driver qui est plus forcément celui de l'idéologie ou du parti politique ou du syndicat ou autre, mais celui de la cause. Celui de la cause de manière concrète dans laquelle on a envie d'avoir un impact et de se projeter et d'avoir un impact concret et une volonté de changement. Et il y a comme ce sentiment que finalement, la politique et le politique ne sont plus des objets de changement des objets qui ont des vecteurs qui ont du pouvoir, en fait. Et il y a, vous avez
avez peut-être vu la série Game of Thrones. Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup cette série parce que souvent, il y a plusieurs personnages qui répètent une phrase qui est intéressante, qui dit « Le pouvoir réside là où les hommes et les femmes pensent qu'il réside ». Et aujourd'hui, on a le sentiment dans les jeunesses, ou auprès des jeunes, qu'ils ne pensent plus que le pouvoir réside dans le ou la politique. Et donc, ce n'est plus d'utilité d'aller voter, d'aller donner, voilà, un délégué un pouvoir, puisqu'il n'y aura pas d'impact sur les causes qui leur touchent. Et pour autant, ce pouvoir, il passe quand même par les lois, par exemple. Et si on n'a pas des représentants, ça va être compliqué, parce qu'on parle de l'élection présidentielle, mais derrière, il y aura aussi les élections législatives. Donc, c'est quand même deux mobilisations importantes cette année. En tout cas, ces primo-votants n'ont pas l'impression qu'il y a un lien de cause à effet direct entre le fait d'avoir un élu, un représentant, et puis que ça puisse être suffisamment structurant pour être changeant pour eux. C'est le sentiment, moi, c'est le sentiment que j'ai. Qu'on a pu avoir avec l'ONG à voter dans nos mobilisations, où souvent on entendait moi je vois les présidents changer et ma vie elle change pas. Donc il y a ce sentiment qu'il n'y a pas que la politique ne change plus la vie. Et donc il y a une forme de désenchantement. Alors après, il y a des facteurs, je pense, assez multiples. Hein. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a autant de raisons à l'abstention que d'abstentionnistes eux-mêmes. Mais il y a ce désintérêt, ce désamour et peut-être cette incompréhension de l'impact que peut avoir le bulletin de vote et l'impact qu'on peut avoir, le pouvoir citoyen qu'on peut avoir en allant voter. C'est vrai pour la présidentielle, alors qu'on s'achemine vers un scénario qui confirme toutes les craintes d'un taux d'abstention record à l'élection présidentielle. Et c'est le cas pour les élections législatives qui, elles, structurellement, depuis 40 ans, connaissent des taux de démobilisation phénoménels, ce qui en vient même à porter une hypothèse assez inquiétante, qui est celle de quel va être le pouvoir de celui ou celle qui sera élu et de ceux et celles qui seront en fonction, quelle sera leur capacité à engranger vraiment du pouvoir politique, en fait. Le pouvoir et la représentativité, effectivement. Mmh. Alors, Romane Piquet-Huliel, votre association, justement, a voté. Elle s'est construite sur ce constat sidérant de l'abstention des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Exactement. Elle s'est construite au lendemain des élections régionales et départementales de l'année dernière, avec un constat qui était assez sidérant, qui était celui d'une abstention record dans la Ve République. Et avec, à moins d'un an d'une grosse échéance électorale qui était les présidentielles et législatives après, c'est quelque chose qu'on ne pouvait plus laisser dans l'ombre, c'est-à-dire une semaine avant et une semaine après l'élection. Il fallait en parler, il fallait qu'on puisse trouver quelles étaient les causes de cette abstention, pouvoir aussi agir dessus et puis faire quelque chose qui ne soit pas une réaction à l'abstention face aux élections. Et qu'est-ce que vous avez pu identifier alors comme cause de l'abstention ? C'est ce que disait Dorian un petit peu aussi, cette espèce de méfiance, désenchantement de la politique, notamment des jeunes qui votent le moins, moins de confiance, moins de compréhension de ce qui change quand on vote et de ne pas se sentir représenté par les personnes qui se présentent aux élections. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu quand on a rencontré des personnes au cours de nos actions. Alors, vous nous raconterez ce que vous avez imaginé pour essayer de réenchanter la politique. Louis, qu'est-ce que vous pouvez nous parler du vent se lève, puis peut-être de vous, de la position que vous avez par rapport à ce sujet, de l'abstention, déjà dans un premier temps ? Alors moi, je commencerai tout simplement par dire que je suis assez d'accord sur le changement de logiciel de la jeunesse, qui se reconnaît moins dans les institutions, mais qui est quand même très engagée. Et en fait, elle se reconnaît moins dans les institutions parce que les institutions semblent de plus en plus éloignées. Quand on dit « oui, la politique, elle change pas mon quotidien », c'est sûrement un problème. C'est sûrement un problème. Et ça montre aussi le désamour, ça explique aussi le désamour qu'il y a en particulier sur les élections locales, où on se dit « bon, c'est du local, l'enjeu il est pas très important », alors qu'en vérité il est assez important. Mais c'est là où il y a le plus de réalisations. C'est là où il y a des réalisations concrètes. Les régionales, les départementales, les collèges, c'est les lycées, les TER. En fait, c'est des choses qui touchent très concrètement à notre quotidien. Ouais. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a, je pense, une forme de complicité de la part de certains élus qui se contentent d'être mal élus. Parce qu'ils sont mal élus peut-être, mais en fait, à la fin, ils ont quand même les manettes avec
Ce que vous dites, peut-être avec un électorat plus conservateur ou consensuel, c'est ça un peu l'idée ? C'est un peu l'idée, ouais, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a vu avec nos élections régionales et départementales du mois de juin ? C'est les présidents de région sortants être réélus largement, confortablement. Au municipal, et, même chose. Et c'était la même chose au municipal avec des taux d'abstention records. Pourquoi ils étaient records ? Il y a la question de la pandémie qui rentre en jeu, évidemment, hein, qui a empêché d'être un moment de réchauffement politique, un moment où les gens se réintéressent à la question. Et puis, il y a aussi un phénomène médiatique, et bon, je vais parler un peu de Le Vent se lève, parce que c'est aussi dans cette optique qu'on a monté Le Vent se lève. Le problème, c'est qu'on a peu de presse politique de qualité. Aujourd'hui, les émissions en continu sont à peu près les seules. J'exagère, et bien sûr, c'est à gros traits. Hein. Sont à peu près les seuls à parler de politique, et la façon dont elles en parlent, les sujets qu'elles abordent de manière récurrente, sont malheureusement pas les plus mobilisateurs. Quand vous parlez des émissions en continu, vous parlez de la télévision, audiovisuels classiques, les chaînes qu'on trouve dans nos box, enfin les chaînes de télévision. Et c'est vrai qu'on sait que les jeunes regardent de moins en moins la télévision en continu, justement. Et quand ils la regardent, c'est peut-être à raison, sans vouloir faire de provocation. Mais c'est-à-dire que BFM TV, CNews, pour les citer, ont un panel aujourd'hui de sujets qui est extrêmement redondant, avec par exemple un sujet qui vraiment mobilise la jeunesse, l'écologie, les questions climatiques, qui ne sont quasi jamais à l'agenda de ces presses-là. Donc je pense que cet éloignement institutionnel, il vient de facteurs qui sont assez multiples, mais finalement il n'est pas si mystérieux que ça. Et en fait, il ne traduit pas une dépolitisation des jeunes, il traduit un éloignement des jeunes. Mais d'ailleurs, là, notre sujet, c'est les jeunes, mais je pense qu'il faut aussi élargir le spectre. Bien sûr, qui traduit un éloignement des gens à l'institution, avec la figure de l'élu qui est largement destituée, largement abîmée. Aujourd'hui, donc dans l'étude de l'Institut Montaigne que vous citez, on lit que 68% des jeunes considèrent les élus comme corrompus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? En tout cas, c'est la perception qu'ont les jeunes, et c'est bien la preuve qu'il y a un éloignement qui est évidemment très nocif pour notre démocratie, parce que demain, les gens qui dirigent le pays, s'ils n'ont pas d'assises populaires, ça peut donner lieu à toutes sortes de dérèglements important. Clairement. Alors, aucun de vous n'était né à cette époque, mais moi, je suis allée rechercher dans les archives de l'INA, et vous connaissez certainement cet échange entre Daniel Balavoine et François Mitterrand, donc en 1980, dans un autre siècle, où on sent qu'effectivement, il est convié sur le plateau à l'époque d'Antenne 2, c'est un peu l'excuse jeunesse du débat, et puis le candidat à l'époque, c'est François Mitterrand. Il y a un échange, et puis on lui explique que non, on n'a plus de temps, on est désolé, mais on ne pourra pas. Et puis là, il explose. Bon, c'est quelque chose, c'est un extrait qui est assez connu, que je suis allée réécouter. Et finalement, je me suis dit, mais rien ne change. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de collusion, là. Alors, pour le coup, c'était pas tellement encore le candidat qui était en cause, mais plutôt les médias, qui s'étaient dit, on a coché la case jeune, donc on a l'excuse jeunesse sur le plateau. Et en fait, le discours à l'époque de Daniel Balavoine, qui avait 30 ans, est de dire, mais les politiques nous représentent pas. Donc, moi, j'ai l'impression que ça fait, alors moi, j'étais une enfant à cette époque, mais que rien ne change, en fait, où ça s'est dégradé, c'est de pire en pire. C'est vrai que dans une démocratie représentative, pour pouvoir représenter, il faut ressembler aussi. Et c'est ce que disait Louis, et je suis entièrement d'accord avec ça, qu'on a le sentiment qu'il y a finalement un éloignement entre ceux qui sont gouvernés et ceux qui gouvernent. Et petit à petit, ça érode ce lien avec le politique et avec la politique, sans avoir même de phénomène de dépolitisation très fort. Même quand on regarde au-delà de la tranche d'âge. Et d'ailleurs, il y a un mot de Mitterrand qui est intéressant là-dessus. Il disait que les sociétés qui méprisent leur jeunesse n'ont jamais raison. Il fait écho à un autre mot de Tocqueville qui disait que dans une démocratie, chaque génération est un peuple nouveau. Et finalement, le problème se répète depuis 30, 40 ans. C'est à peu près à ce moment-là que des chercheurs commencent à parler de démocratie de l'abstention depuis 30, 40 ans. Jean-Yves Dormagin et Céline Braconnier, pour ne pas les citer. Dans un super bouquin d'ailleurs, une très belle enquête sur la démocratie. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir à quel point se distend
le lien entre le citoyen et les institutions. Et que disent les mobilisations citoyennes qui existent depuis 2017, que ce soit l'engouement autour du Grand Débat National, le mouvement des Gilets jaunes, les marches pour le climat, toutes ces formes de mobilisation sociale et citoyenne ont un dénominateur commun, c'est de questionner aussi la place du citoyen dans les institutions et dans la vie démocratique. C'est-à-dire de dire, et c'est un cri du cœur, de dire la démocratie ne se limite pas au vote, ne s'arrête pas à donner un avis tous les 5 ans. La démocratie doit être plus continue, plus quotidienne, et on doit pouvoir se sentir plus, pas co-décisionnaire, associé. Mais en tout cas plus associé dans les formes de participation civique. Et d'ailleurs, même quand on parle de démocratie, on parle souvent de ce qu'on parle à la démocratie athénienne, on aime bien faire des parallèles dans l'histoire, comme ça, et à tort, parce que démocratie à Athènes, le vote et pas de vote dans la démocratie à Athènes. Et donc on sent quand même ce et c'est ce que vous disiez, Louis, ce lien qui se distend, et avec du coup un désintérêt qui monte, qui traduit, je trouve, presque pire qu'un rejet, en fait. On dit souvent le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Là, c'est une indifférence criante qu'il y a envers les institutions, ce qui pose problème aussi pour des institutions qui doivent évoluer, parce que le propre des institutions, c'est de suivre les évolutions de la société, suivre les modalités et envies d'engagement de ses citoyens. On a aujourd'hui un débat de l'élection présidentielle dont on aura le premier tour dans une semaine, qui a complètement occulté cette question de la démocratie et cette question des institutions, comme si c'était un non-sujet, alors même que moi je pense que c'est le sujet principal des enjeux à venir. Et le fait de ne pas avoir eu de débat, de ne pas avoir eu cette respiration démocratique qui est le temps de l'élection présidentielle, va créer des frustrations, va faire qu'il y aura dans la société des mouvements ou des opinions qui ne se seront pas exprimées et qui ressortiront plus tard. Et ça sera aussi le cas sur la jeunesse, puisque ceux qui seront élus en 2022 auront à prendre des décisions qui vont engager les générations futures. Vous avez une différence entre le poids démographique de la jeunesse dans notre société avec son poids politique dans les années à venir. Alors, l'enjeu est considérable, justement, donc du côté de l'association, enfin de l'ONG à voter. Comment vous avez choisi d'aborder cette question et d'essayer justement de convaincre les plus jeunes de se mobiliser quand même s'ils n'étaient pas représentés? Qu'est-ce que vous avez choisi comme action, par exemple? On a choisi plusieurs canaux d'action pour pouvoir toucher les jeunes, les sensibiliser, les mobiliser justement sur la question de l'abstention. On a choisi des canaux à la fois numériques et de terrain, de façon à toucher les jeunes de toutes les façons possibles. Pour moi, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Ça a commencé en janvier par l'élaboration d'un chatbot sur WhatsApp en partenariat avec Meta, Ouest France et 20 minutes, qui en gros faisait un assistant d'inscription sur les listes électorales qui, à travers une conversation automatique, renvoyait vers les sites du gouvernement. Donc le premier objectif, c'était de dire aux jeunes, allez vous inscrire. Vérifiez que vous êtes inscrit, vérifiez où vous votez. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont inscrits dans la ville de leurs parents, parce que depuis quelques années, l'inscription se fait automatiquement suite à la journée d'appel. Oui. Et en fait, avec une jeunesse qui est de plus en plus mobile, c'est ça, qui bouge de plus en plus, et si c'est pas automatique, on a tendance, c'est compliqué d'aller faire ces démarches administratives. Donc beaucoup ne le font pas ou ne savent même pas qu'elles doivent le faire. Donc déjà, c'était la question de savoir, vérifier où est-ce que vous êtes inscrit et pourquoi pas modifier votre lieu de domicile et modifier votre inscription sur les listes électorales. Ouais. Et du coup, on redirigeait vers les sites du gouvernement pour que les personnes puissent, pour que ce soit simplifié en fait pour eux. Vous avez aussi mis en place une opération avec Tinder ? Oui, c'est ça. Racontez-nous. J'ai dit, il faut toucher les personnes. Non, mais c'est bien, parce qu'on s'en souvient. Exactement. Ça mérite de frapper les esprits. C'est ça. L'idée était d'utiliser les réseaux sociaux dans leur ensemble, d'utiliser des plateformes qui sont utilisées par les jeunes régulièrement, tous les jours, parfois. Et sur Tinder, l'idée, c'était à chaque fois qu'on passait un profil, au bout d'un certain nombre de profils, on avait les pubs qui disaient, si tu dates en bas de chez toi, tu peux aussi voter en bas de chez toi.
Et voilà, ça nous permettait de toucher dans le quotidien, d'avoir une sorte de rappel. Bon, l'humour a permis aussi de dédramatiser le sujet. Exactement. Oui, parce que c'est pas un enjeu, l'enjeu de la malinscription sur liste électorale est assez fort. Hein. Vous avez aujourd'hui 7,6 millions de personnes qui sont considérées comme malinscrites. Et un sujet qui n'est pas uniquement technique. Par exemple, on peut être rayé, on le sait pas forcément, mais on peut être rayé de liste électorale dans une commune, dans la commune où on était inscrit, parce qu'on n'est pas venu souvent, les lettres ont été, voilà. On n'a pas fait son changement d'adresse. Vous êtes étudiant et quand vous déménagez, à peu près tout vous suit, vos taxes d'habitation, vos impôts, vos aides, sauf le bureau de vote qui ne déménage pas avec vous. Et donc vous avez, et c'est un bug démocratique terrible, hein, vous avez 7,6 millions de personnes mal inscrites, et ce n'est pas sans lien avec la participation électorale, parce que les chercheurs, notamment Céline Maraconnet et Jean-Yves Dormagin, ont pu montrer dans leurs études que être mal inscrit, c'est avoir trois fois plus de chances de s'abstenir. Donc il y a un vrai frein à la participation électorale du fait du système d'inscription sur liste électorale, dont on est une des dernières démocraties à avoir le secret, j'ai envie de dire. Est-ce que vous estimez, les uns comme les autres, que on devrait rendre le vote obligatoire ? Ou ne pas voter, c'est aussi un droit ? Est-ce qu'il faut qu'on fasse comme nos voisins suisses? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, si on rend le vote obligatoire, il faut absolument que ça s'accompagne d'une meilleure reconnaissance du vote blanc. Ça, c'est évident. Rendre le vote obligatoire, moi, j'y suis pas forcément défavorable. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut que le vote blanc soit pris en compte d'une meilleure façon, voire aller jusqu'à proposer que si le vote blanc est trop important, et l'élection est annulée. Un peu comme dans une association, quand on n'a pas le quorum, l'Assemblée générale n'est pas valable. Le sens de tout ça, c'est de radicaliser la démocratie. Ouais. C'est-à-dire de plus pouvoir se permettre de faire de la politique sans les électeurs, sans les citoyens. Parce qu'en fait, sinon, c'est pas faire de la bonne politique que de faire de la politique sans le peuple, pour utiliser un mot très... Même si le peuple choisit de pas se déplacer, ce qui est un choix aussi. Ce qui veut dire est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une volonté? Ce qui signifie quelque chose, mais qui malheureusement... N'est pas pris en compte. N'est pas du tout pris en compte. Il y a autant d'abstentionnistes que d'abstention, sans doute, mais on n'a pas les canaux pour, on n'a pas le dispositif pour prendre en compte dans notre démocratie l'abstentionnisme. Voilà, donc moi, j'y suis pas forcément défavorable. Vous, au fond se lève, comment vous abordez cette question? Comment vous essayez de mobiliser, motiver? Alors, Le Vent se lève, c'est un média d'opinion qui cherche, entre autres choses, parce qu'on s'est donné pas mal de missions, mais qui cherche notamment à structurer, élever, analyser le débat politique, proposer une approche critique de certains faits d'actualité ou faits sociaux ou faits politiques. Mais ce que font pas les médias déjà, traditionnels? Ce qu'on fait autrement. D'accord. Ce qu'on fait autrement, c'est-à-dire quand on fait des entretiens, en général, on laisse des entretiens en intégralité, ce qui est très compliqué pour des médias traditionnels. Parce qu'ils ont des formats. Nous, on a fait le choix, et c'est un choix qui nous permet et qui est complètement dans cette tendance de désintermédiation, de fluidité qui caractérise notre époque. Et le vote aussi. Mais nous, on fait ce choix-là de laisser pleinement la parole aux gens, de proposer des articles d'analyse avec, tout simplement avec une ligne éditoriale qui est assez différente de celle qui est proposée partout et qui s'inscrit dans ces théories où on veut faire pénétrer la démocratie plus fort, plus profondément, plus d'une manière plus enracinée, et pas seulement être convoqué tous les 5 ans, où tous les sujets peuvent pas être mis sur la table en 5 ans, où tout ne peut pas être incarné par une seule personne en 5 ans, où un programme ne peut pas prendre en compte toutes les choses. Donc il faut être appelé plus souvent au vote, de manière avec plein de modalités qui sont possibles, plein de modalités différentes. Mais voilà, c'est aussi un peu le sens. Les modalités qui pourraient plaire davantage aux jeunes, on va en parler en deuxième partie d'émission. Dorian, je voulais juste vous poser une question. S'il y avait davantage d'élus jeunes, si les jeunes s'engageaient plus jusqu'à revendiquer des mandats, peut-être à commencer par des mandats locaux, est-ce que ça serait plus facile?
Et pourquoi ça se fait pas finalement ? Oui, et après il y a aussi un travail, je pense, du côté des partis politiques, des mouvements et des organisations. Et il revient aussi à leur responsabilité d'aller chercher de nouveaux profils, de nouveaux visages, de nouveaux militants et de mettre en position d'être élu de nouvelles personnes, des gens qui s'engagent dans l'associatif, qui sont déjà militants dans des causes. C'est ce qu'on appelle un peu la société civile, qui est devenue l'image de marque aujourd'hui de beaucoup d'organisations, de beaucoup de mouvements, où finalement, bon, vous vous rendez compte, quand vous grattez un peu, que personnage de société civile est dans les couloirs du pouvoir déjà depuis très longtemps et autres. Mais vous avez aussi tout un tas de responsables associatifs locaux qui mènent des actions pendant des années sur leur territoire, en proximité avec les citoyens. Et c'est aussi ces personnes-là qu'il faut aller chercher, qui n'auront peut-être pas l'envie ou le déclic de eux s'engager politiquement et qu'il faut accompagner. Et sur la question du vote obligatoire, parce qu'elle est intéressante, elle revient assez souvent dès qu'on commence à parler d'abstention, on se dit bon, c'est peut-être le moment de forcer les gens parce qu'on n'a plus trouvé d'autres moyens pour leur donner envie de se déplacer aux urnes. Moi, j'y suis assez farouchement opposé dans la mesure où je pense qu'en démocratie, c'est la plus belle des libertés d'aller voter et aussi de ne pas aller voter et que il faut aussi entendre et écouter le silence des urnes. D'accord. Bon, en tout cas, avant d'être, on n'espère pas trop quand même dans le silence des urnes, on va faire une pause musicale. On vient d'entendre Anouar avec How Can I Do. Donc c'est un jeune marocain, belgeo-marocain, je ne sais pas comment on peut dire. C'est son premier album, le deuxième est sorti l'année dernière, c'est magnifique. Il a une voix superbe, donc je vous incite à aller écouter cet album sur les différentes plateformes de streaming musical autorisées, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on est tout proche du premier tour des élections présidentielles. On parle non seulement de l'élection, mais surtout du vote, et en particulier du vote des jeunes, avec cette question: comment inciter les jeunes, les plus jeunes, en particulier les primo-votants, à se déplacer, à aller voter. Et je suis notamment, donc on participe à notre émission, donc Dorian Dreuil, qu'on a déjà pu entendre, qui fait partie de la Fondation Jean Jaurès, membre de l'Observatoire de la vie politique pour cette fondation, et puis qui participe également à l'ONG A Voter, dont nous avons un autre membre qui est une des cofondatrices, donc Romane Piquet Uliel, et Louis Hervier Blondel, vous êtes conseiller en stratégie et communication. Votre truc, c'est le numérique, et on va en parler. Et puis vous êtes surtout un des directeurs d'un média en ligne qui s'appelle Le Vent se lève, où on parle justement des sujets qui intéressent les plus jeunes différemment. Avec, vous nous l'avez dit tout à l'heure, un format parfois un peu plus confortable qui permet de prendre le temps et de réfléchir. On annonce effectivement une abstention qui risque d'être importante. Qu'est-ce qui aiderait, qu'est-ce qui permettrait, selon vous et selon les jeunes que vous rencontrez dans vos différentes actions, qu'ils se sentent concernés, qu'ils se remobilisent, pas forcément que pour aller voter, mais avec d'autres formes justement d'expression politique? Alors on a parlé des formes citoyennes qui existent déjà, spontanées, que ce soit les manifestations, les pétitions en ligne, etc. Qu'est-ce qui pourrait, quels sont les outils finalement qu'on pourrait intégrer dans nos institutions et qui aideraient pour que les jeunes se sentent davantage concernés? Qui a envie de commencer? Louis? Pourquoi pas? Alors, comment mobiliser plus? Ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire une meilleure campagne. Ouais. C'est-à-dire que tous les candidats s'expriment et puissent débattre entre eux en présentant leurs idées. Ça serait... Donc là, l'absence de débat avant le premier tour, vous dites, ça c'est un peu moche. C'est un gros problème. On l'a vu il y a 5 ans, en 2017, les débats avaient permis à tout le monde de se faire une idée, de s'intéresser à la question et d'aller creuser parce que... tout simplement parce qu'ils avaient vu les candidats et les candidats avaient eu l'occasion de présenter leurs principales idées. Le contexte est compliqué. Le président candidat Emmanuel Macron a décidé de ne pas se prêter à ce format-là. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le climat politique ne se réchauffe pas, au sens positif du terme, évidemment. Mais pour tout le monde, pas que pour les jeunes. Pour tout le monde, évidemment, mais peut-être les jeunes encore plus, qui, comme on l'a dit en première partie d'émission, se sentent encore plus éloignés, se sentent très éloignés des institutions. Et le fait qu'il n'y ait pas de campagne, ça n'aide pas du tout, à mon sens, à améliorer les choses.
On a tenté, puisqu'on disait tout à l'heure, il faudrait qu'on puisse donner notre opinion plus souvent. On a vu qu'il y a des mandats qui ont été réduits, on pense notamment au mandat présidentiel. Retourner aux urnes plus souvent, c'est pas non plus visiblement une solution qui fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre ? Par exemple, suite à des mobilisations dont on a parlé, notamment les marches climat, il y a eu des choses qui ont été mises en place, comme la Convention citoyenne pour le climat, qui était censée être 150 citoyens, citoyennes qui réfléchissent, qui proposent des mesures qui doivent être adoptées, etc. Et on a vu que cette Convention citoyenne, les effets de cette convention n'ont pas du tout été à la hauteur des attentes qu'il y avait, en fait. C'est-à-dire que c'était une réponse à de très larges mobilisations en France et de très larges mobilisations de la jeunesse. Et c'est ce qu'on parlait, c'est pour ça qu'il n'y a pas un désengagement politique des jeunes, mais des causes qui leur tiennent bien plus à cœur. Mais il y a une déception par rapport au fait que leurs paroles puissent être traduites en actes. Du coup, là, le message pour moi qui a été renvoyé, c'était cette proposition sera non, et puis celle-là non, et puis en fait celle-là non, et puis en fait celle-là non, et puis voilà, les 150 propositions, elles ont été complètement dénuées du sens initial qui leur avait été donné par les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Et c'était des personnes engagées, des personnes, des scientifiques, des choses comme ça, des personnes qui avaient des choses à apporter au débat. Oui, et puis le fait que ces propositions ne soient pas respectées, c'est quelque chose qui abîme profondément notre démocratie. Et la confiance, bien sûr. On va faire un grand moment autour du climat avec le citoyen qui pénètre les institutions plus que d'habitude ou selon une modalité un peu différente, le tirage au sort en l'occurrence, pour à la fin aboutir à une immense déception. Et c'est aussi normal, les gens au bout d'un moment qui s'éloignent des institutions quand ils voient que c'est pas comme ça que les choses avancent. Donc ce que vous dites, c'est finalement ça a été vécu comme un coup de com', donc si quelque chose était plus institutionnalisé, comme par exemple le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'un groupe de citoyens s'empare d'un sujet avec suffisamment de mobilisation pour que ça... Est-ce que ça c'est quelque chose, c'est un outil qui à votre avis pourrait fonctionner? Il serait davantage mobilisateur. En plus, c'est un outil qui existe déjà, mais qui est tellement inatteignable. Je crois que c'est 4,5 millions de personnes qui aujourd'hui, doivent être... Tel qu'il est proposé. Qu'il est proposé aujourd'hui, c'est 4,5 millions de personnes, plus 185 députés. Mais quand on sait que le corps députés, électoral, c'est... Je ne sais plus, le corps électoral en France. Bonne question. Ça doit être 11 ou 12 millions d'électeurs, ou quelque chose comme ça. Se voit que c'est une mesure qui, aujourd'hui, est... inatteignable. Donc si on veut effectivement faire un référendum d'initiative citoyenne, il faut déjà le rendre atteignable avant toute chose. Donc là, la marche est trop haute. À l'évidence, ça ne fonctionne pas. Il y a des choses, baisser le nombre de citoyens qui peuvent s'emparer du sujet, c'est des choses déjà qui mobilisent. Et à nouveau, et c'est ce qu'on dit et ce qu'on a dit en première partie d'émission, de cette façon-là, les personnes qui sont engagées sur des causes peuvent voir leur voix être entendue. Et c'est un petit peu ce que tu disais aussi sur le vote blanc ou sur le vote obligatoire. Il faut modifier les modalités de l'engagement et de la représentativité, de la représentation, avant de se dire peut-être que ceci, ça fonctionnerait ou pas. Et si on atteint ce nombre de voix pour le référendum d'initiative citoyenne, il faut absolument que... ça sera analysé en commission et puis mis sous le coude. Il faut se dire que si on arrive à après avoir modifié et rendu plus accessible ce référendum, il faut obliger au moins une lecture, un vote à l'Assemblée, quelque chose d'un peu important et sur lesquels il y ait une communication minimale ou une transparence minimale pour que rejeter ou non, puisque le Parlement reste souverain. Et je pense que c'est quelque chose de souhaitable, même si on peut souhaiter de toutes ses forces que ce soit, qu'il y ait plus de vitalité dans cette représentation nationale. Il faut absolument que les gens voient que ça n'a pas servi à rien. Mm-hmm. Et même que... Oui, donc que ça soit vraiment institutionnalisé avec le fait que ça puisse déboucher sur quelque chose et des travaux autour d'un projet de loi ou de... vous parliez du Parlement, donc alors l'Assemblée nationale et à plus forte raison le Sénat, mais s'il y avait davantage de proportionnels, c'est-à-dire que si nos élections incluaient davantage de proportionnels, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait permettre de faire émerger peut-être ou représenter des plus petits partis ou des plus petits courants politiques, et ça serait motivant? Alors
moi, je ne vais pas parler de petit parti, et on ne peut pas me soupçonner d'aucune forme de complaisance à l'égard du Rassemblement National, mais je trouve absolument scandaleux et philosophiquement problématique qu'un parti qui se qualifie au second tour d'une élection présidentielle n'ait pas de groupe parlementaire, par exemple. Donc, voilà, et c'est sans complaisance de ma part envers les idées de ce parti. Oui. C'est juste une question démocratique. Il est anormal qu'à l'Assemblée nationale, qui est censée représenter les citoyens et les citoyennes et les citoyens, il est anormal qu'il manque ceux qui vont au second tour, qui sont allés deux fois au second tour en 20 ans. Qu'il y ait une dose de proportionnelle, une proportionnelle intégrale, je laisserai à des gens plus compétents que moi. Des constitutionnalistes. aguerris. Et j'en connais des très bons. Le soin de travailler là-dessus, de faire des propositions dans ce sens-là. Mais il faut reconnaître que il y a un problème d'ordre philosophique dans la représentation à ce point biaisé. Alors, on a vu, notamment à travers l'étude de l'Institut Montaigne dont on parlait tout à l'heure, donc à quelques jours du premier tour, beaucoup de jeunes ne savent pas, toujours pas pour qui voter, en admettant même qu'ils se déplacent aux urnes. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour essayer de se faire une idée, de se forger une opinion, si voilà, ils ont un peu laissé traîner, alors on sait, voilà, pas de débat, donc du premier tour, mais ils n'ont pas pris le temps. Comment, donc, on parlait des réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux révolutionnent aussi un petit peu ça, cette manière de faire campagne? Alors les réseaux sociaux sont devenus un des principaux canaux d'informations des jeunes. Et les réseaux sociaux permettent une chose qui est assez fondamentale, c'est qu'ils permettent une forme de désintermédiation, c'est-à-dire que le candidat s'adresse de manière extrêmement directe aux citoyens. Et même informelle. Et parfois informelle, avec des fois des questions-réponses. Récemment, il y a des candidats qui se sont essayés, par exemple, sur la plateforme de streaming vidéo Twitch, ce qui leur permet d'interagir avec le public d'une façon qui est assez révolutionnaire par rapport au format de télé traditionnel du direct où le spectateur est finalement rendu très passif. Pris en otage. Je ne sais pas s'il faut utiliser le mot aussi violent, mais en tout cas, il a écouté et il n'a pas à interagir. Le réseau social permet cette désintermédiation, cette pénétration finalement citoyenne dans le débat. Donc je pense qu'il y a un côté qui est plutôt vertueux dans tout ça. Cette désintermédiation, elle permet aussi de mieux connaître son candidat, d'être parfois d'avoir accès à des choses très précises sur les programmes, sur les positionnements qu'on ne pourrait pas évidemment exposer de manière aussi fine dans des médias plus mainstream, on va dire. Par ailleurs, il y a aussi des limites dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'essaie d'être très synthétique, c'est-à-dire que il y a des phénomènes d'auto-validation qu'on appelle des bulles de filtre, tout simplement, sur les réseaux sociaux et qui vont faire que quand on aime quelque chose, on s'auto-enferme, mais c'est dans un phénomène dans l'environnement qui nous le confirme. C'est un phénomène qui est assez naturel, qu'on retrouve dans la vraie vie avec des guillemets, mais c'est un phénomène qui est aussi accentué par les algorithmes des réseaux sociaux qui font que quelqu'un qui est favorable à un candidat pourra tout à fait avoir l'impression à quelques jours du premier tour que son candidat va faire 80% au premier tour, ce qui ne sera pas le cas. Alors ça encore, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Ce qui serait plus embêtant, c'est de n'avoir d'informations que, puisque vous parlez des algorithmes, finalement, l'algorithme, c'est un programme, il va recracher ce qu'on lui donne. C'est aussi, finalement, ça pourrait être l'algorithme, c'est de la manipulation politique aussi, si on veut, sur le fait d'influencer, par exemple, les électeurs potentiels, parce que c'est vrai que, de même que si je cherche un frigo, on va me proposer tout un tas de frigos et peut-être de machines à café pendant des semaines, à cause des cookies notamment, ou des choix des algorithmes, parce que je rentre dans un profil de la ménagère de plus de 50 ans, mais ça peut être la même chose pour les orientations politiques, finalement. Tout à fait. Et c'est un des grands problèmes. C'est qu'aujourd'hui, les algorithmes de réseaux sociaux n'ont pas la neutralité politique qu'on pourrait exiger d'eux.
Ou alors, il faudrait connaître l'algorithme, c'est-à-dire il faudrait les publier les algorithmes. Les algorithmes sont secrets, c'est des propriétés commerciales. Ils sont secrets, ils sont mis à jour régulièrement. Et on peut en deviner les grands principes assez facilement. Il y a certains principes qui sont même publics, qui sont annoncés, mais ils sont secrets. Et effectivement, ils ne sont pas neutres politiquement. Aujourd'hui, donc admettons que j'ai 18 ans, hein, je suis encore hésitante. Sur quelle plateforme j'ai le plus de chances de rencontrer ou de m'informer, on va dire, sur les principaux candidats? Je crois qu'il y en a 11, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous me conseilleriez, Louis? Alors, ou Roman, hein, comme vous voulez. Je vais répondre. Alors, aujourd'hui, les politiques sont sur beaucoup de plateformes. La plateforme française et même mondiale qui reste vraiment très habitée par les politiques, ça reste Twitter. Oui. C'est le réseau social du journalisme, de l'instantanéité et de la politique. Maintenant, les politiques aujourd'hui viennent à nous sur tous les canaux. Ils sont sur TikTok, sur Instagram. Mmh. Ils sont encore sur Facebook parce qu'il y a encore des gens sur Facebook. Ils sont même sur LinkedIn qui, depuis peu, est aussi le terrain de la politique. Alors que c'était plutôt un réseau professionnel. Un réseau professionnel où justement, business. Au départ, l'idée, c'était d'être le plus corporate, neutre possible. Oui, corporate. Oui. L'idée, c'était pas de mettre de la politique dans son CV. Et ben, avec plein de phénomènes différents, celui de la baisse de popularité de Facebook, LinkedIn se retrouve parmi les réseaux sociaux un petit peu en ligne de mire et en tête pour la politique. Mais aujourd'hui, les choses restent beaucoup et se font beaucoup sur Twitter. Et Twitter a la particularité d'être le réseau social qui est le plus proche de la télé, avec une interaction très rapide, régulière. Toutes les émissions ont un hashtag où les gens réagissent en général. Et finalement, Twitter fait un petit peu le pont entre les médias plus traditionnels et une nouvelle façon de s'informer. Alors, on voit que certains hommes politiques se sont emparés de certains de ces réseaux parce que fallait y être. Hein, je pense à TikTok notamment. Alors, avec plus ou moins de succès. Hein, parfois, ça donne des choses un peu cocasses. Mais est-ce que ça ne participe pas, pour le coup, à désacraliser la fonction? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans? Alors, il y a un paradoxe. Et en même temps, c'est un paradoxe qui est une recherche d'équilibre. Se rendre plus proche des gens, désintermédier, hein, c'est le mot que j'ai utilisé, que j'utilise souvent. Désintermédier, c'est plutôt une bonne chose pour la vitalité de la démocratie. On se dit, ah oui, c'est quelqu'un qui est comme ça, on apprend à mieux connaître. Et aussi, ça permet de mettre en valeur les idées, c'est quand même le principal. Et par ailleurs, désacralisation, effectivement, quand on se prête trop au jeu des plateformes, TikTok, c'est au départ une plateforme qui est plus en rapport avec la danse et la musique qu'avec la politique. Il y a quand même un grand écart. Là. Chaque politique doit trouver le dosage le plus pertinent entre ce qu'il est, ce qu'il incarne, et les codes des plateformes. Je pense qu'il y en a qui le font plutôt habilement, d'autres qui le font, qui vraiment se prennent les pieds dans le tapis, ou qui, une fois, se prennent les pieds dans le tapis, puis la deuxième fois, ils ont compris, donc ça s'améliore. Mais effectivement, il y a un équilibre à trouver entre quelqu'un qui se présente pour être à la fonction suprême et les codes des plateformes qui ne sont pas forcément des codes sérieux et des codes adaptés à cette fonction. Alors, on peut parler, on a encore un peu le temps. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'application Élise. Alors, on en a beaucoup parlé. Je crois que c'est un de vos fondateurs aussi, Grégoire Cascara, entre autres, qui a développé cette application. Moi, je l'ai chargée, ça m'a beaucoup intéressée. Alors, le principe, il est simple. Hein. Vous avez des petites cartes. Alors, toujours un peu sur le principe de Tinder, c'est-à-dire qu'on fait glisser à droite ou à gauche en fonction de j'aime ou j'aime pas. On a un certain nombre de propositions dans différents domaines, hein, l'économie, l'immigration, les sujets de société, etc. Et puis on passe un certain nombre de questions, oui, non, je suis d'accord, je suis pas d'accord. À la fin, ça nous sort, alors moi j'en ai fait 205, donc ça sort un trio de candidats potentiels dont je suis visiblement, mes idées sont les plus proches de ces candidats. Alors moi je l'ai fait tester à plein de gens autour de moi, des gens de ma génération, d'entre cadra quinca, où on a eu finalement des résultats qui étaient plutôt assez cohérents, donc moi j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Alors il y a eu quelques critiques, hein, sur le biais de l'algorithme, hein, en disant justement oui, mais est-ce qu'on est sûr que l'algorithme il est pas biaisé pour essayer d'inciter les jeunes?
Et en revanche, on a eu plein de surprises avec tous les jeunes, les 18-25 ans à qui je l'ai fait tester, qui m'ont dit « Ah bah, je pensais pas que c'était finalement que je votais de cette manière ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet outil, par exemple, de cette appli, Romane ? Bah, nous, avec Avoter, on a fait beaucoup d'opérations de porte-à-porte dans des foyers de jeunes travailleurs, en partenariat avec l'Association pour le logement des jeunes travailleurs. Et du coup, pendant ces opérations de porte-à-porte, ça nous permettait, nous, de rencontrer justement les jeunes directement. Et c'était ça aussi que je vous disais tout à l'heure, c'est le lien entre numérique et terrain, oui, qui est hyper intéressant parce que le c'est but de combiner était, les deux. Ouais. Voilà, de leur présenter le chatbot pour que leur dire, ben voilà, tu envoies bonjour à tel numéro et tu pourras vérifier tes informations. Et c'est vrai que parmi les échanges qu'on a eus, il y avait beaucoup de gens qui nous disaient, ah ben merci, super, maintenant je peux vérifier. Le problème maintenant, je vote pour qui? Et donc, bah, voilà, nous on dit, bah, ça c'est ton choix, mais oui. Et ça revient sur cette idée de comment est-ce qu'on rend plus accessible ces questions de programme, ces questions de voilà, comment est-ce qu'on sait pour qui on veut voter quand c'est la première fois qu'on vote, quand on n'est peut-être pas forcément très sûr des idées qu'on a ou de telles choses qu'on aimerait bien voir se faire, mais pas ça, et un tel il a dit ça et machin. Et c'est vrai que les applications comme Elise ou comme d'autres le font aussi à plus petite ou plus grande échelle, je pense ont été hyper intéressantes, et notamment pour les primo-votants, sur l'idée de se dire « Ah bah peut-être que je m'incline plus vers ceci ou plus vers cela. » Et c'est ça qui rendait la chose intéressante. Et on le voit notamment, et ce que tu disais tout à l'heure, Louis, dans cette période-là où on n'a pas de débat, où c'est très difficile de séparer les uns des autres parfois. C'est ça qui est... De se dire quelle est la différence entre un tel et un tel. Et bah, je pense que c'est là où ces applications, où ces quiz, c'est plein de choses comme ça. Il y en a de toutes formes, de plein de formes différentes. Partout bon, en sur plus, Internet. C'est très ludique, on peut le dire. C'est très hyper ludique. Ludique. Voilà, le format Tinder est hyper marrant. Voilà, enfin, c'est évidemment que c'est bien plus accessible que d'aller lire les dizaines de programmes, page par page, qui n'est pas le truc de tout le monde, en fait. Oui, les professions de foi des candidats qu'on quand reçoit elles quand elles quand arrivent. Elles je suis d'accord elles avec arrivent. Vous. Ouais. Exactement. Louis, vous en pensez quoi? Alors, moi, je me suis un petit peu prêté au jeu. Ouais. Ça a donné un truc. J'étais pas d'accord avec vous moi-même. Peut-être pas fait, oui. Mais... Vous n'avez peut-être pas fait assez de questions. J'ai peut-être pas fait moi, j'ai assez fait 130, questions. Après, je suis allée jusqu'à 200 pour voir justement, j'ai poussé la logique jusqu'au bout. Mais moi, en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça fait parler de l'élection, ça fait parler des candidats. Oui, donc tout à fait. Déjà, c'est positif. Est-ce que ça fait. J'espère que ça ne va pas non plus déterminer trop de votes, voilà, et que les gens vont aller un peu plus loin. Mmh. Mais c'est déjà une bonne première étape. Mais et même si ça interroge, je trouve que ça mérite de poser la tout question, de se dire, exactement, bah zut, c'est, je me suis tué pas forcément là, il faut que je creuse, il faut que je creuse le sujet. Tout à fait, quand il y a des choses qui sortent, on dit, ah oui, mais parce qu'en fait, sur pas mal de questions, j'ai répondu de cette façon, et en fait, c'est plutôt dans ce programme-là qu'il y a mes convictions. Donc c'est bien, parce que c'est pédagogique. Après, c'est un outil parmi d'autres, c'est une façon de se rapprocher du politique, donc forcément c'est positif pour moi. Il faut pas que ça soit, il faut pas que ça soit la boussole. Je pense qu'il faut pas que ça soit la boussole du vote. Alors après, c'est vrai que ça tient parfois à pas grand chose. L'élection présidentielle, on a quand même l'impression que c'est une adhésion à une personne. Il y a vraiment quelque chose qui va être. Donc c'est vrai que le réseau social qui rapproche peut rendre la personne sympathique. Vous me parliez, Louis, quand on a préparé l'émission, de l'effet mème. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un mème? Alors, pour certains de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce terme. Qu'est-ce qu'un mème? Un mème, c'est une petite image virale qui se partage sur les réseaux sociaux et qui va trouver des déclinaisons. C'est vraiment le principe de déclinaison parodique, oui, mais enfin c'est déjà parodique en général, et qui va en fait être viral. À donc, la base, c'est souvent involontaire. Hein. Au départ, on devient involontairement surtout, un mème. Surtout en politique. Ça peut être justement un lapsus, une phrase malheureuse, tout et tout d'un coup... Une référence à la pop culture, une grimace, une petite phrase. Le mème, enfin tout peut devenir, tout peut se mémifier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu propre aux réseaux sociaux. C'est une façon de prendre un extrait du réel comme un extrait de film, finalement, et de le mettre dans des situations ou dans des contextes un peu plus ou moins amusants, d'ailleurs, parce que beaucoup de mèmes politiques sont absolument pas drôles. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques du mème politique. C'est qu'il est en général raté, parce que c'est des gens qui essayent de tordre un petit peu le mème pour que ça aille dans le sens de leurs idées, et du coup, ça marche pas trop.
Mais c'est un phénomène qui touche un peu tous les candidats qui se retrouvent des personnages de pop culture puisqu'ils se sont prêtés au jeu des réseaux sociaux. Et voilà, donc et typiquement dans cette élection, on en a deux en particulier. Pour moi, il y a Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui se prêtent particulièrement à ce jeu, soit volontairement, soit involontairement, mais de se transformer eux-mêmes en mêmes. Donc ça leur donne de la visibilité. C'est une façon de trouver de la visibilité. Après, c'est quelque chose qui est difficilement contrôlable. C'est vraiment ce qu'on appelle un dépassement. Il faut que la campagne vous échappe un petit peu pour créer elle-même. Mais c'est là aussi sur les réseaux sociaux où ça a de l'intérêt. Ça m'a fait penser quand vous avez parlé de ça. Alors, même chose, on remonte pas au Moyen-Âge, mais la première élection de Jacques Chirac, il y avait à l'époque les guignols de l'information avec des marionnettes extrêmement sympathiques. Et ils avaient fait de ce personnage à la fois un peu ridicule et un peu sympathique, hein, avec mon boulot de dans deux ans. Et à l'époque, les médias s'étaient interrogés justement sur la manière dont ça avait pu... pousser justement le candidat et le rendre le plus voilà sympathique, accessible, drôle. Et c'est pour ça que je trouve que ça fait penser déjà un peu en avance, il y a 20 ans, à ce principe des mêmes. Mais c'est une forme de débordement avant l'heure, effectivement, où la mise en pop culture du candidat nous attire de la sympathie alors que finalement c'est une œuvre un peu fictionnelle, enfin c'est même pour les guignols c'est tout à fait fictionnel et finalement c'est une œuvre fictionnelle. On parlait d'élection présidentielle, est-ce que vous pensez donc que la mobilisation juste derrière pour les élections législatives elle risque d'être encore plus compliquée? Elle a tendance à très largement baisser les élections législatives sont encore plus boudées Mais ça, c'est relativement récent, parce que souvent, c'était un double plébiscite. C'est ça, ouais. Et c'est relativement récent, et c'est encore pire en se disant que c'est vraiment quelques semaines après. Et tout se joue, en fait, dans ces quelques semaines, d'une certaine façon. Les cinq années qui arrivent se jouent beaucoup dans ces entre-deux d'élections, et ensuite cette deuxième élection. Et en fait, c'est vrai qu'on parle d'années électorales, d'années où on va faire les présidentielles, et très rarement... Partout, on parle des législatives. C'est vraiment, on est tellement ancré, et c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure de d'élire une personne, d'élire voilà. Donc, dans l'abstention, est-ce que la difficulté, c'est aussi le fait de se déplacer? C'est-à-dire que si on pouvait voter en ligne avec toutes les sécurités nécessaires, est-ce que ça serait, on aurait, vous pensez, un meilleur résultat? Moi, personnellement, je pense que voilà, comme il y a autant d'abstention que d'abstentionnistes, il y a du coup autant de solutions possibles, et plus on multiplie les canaux où on peut voter et les différentes façons de pouvoir s'exprimer. Moi, je pense que c'est le mieux. On est beaucoup, enfin, voilà, on sacralise beaucoup le vote, mais c'est tout à fait faisable. Beaucoup le font en ligne. Louis, vote en ligne? Moi, j'avoue que j'ai pas forcément d'avis sur cette question-là. À la fois, ça me semble être quelque chose de pratique, notamment pour toutes ces questions de liste électorale, mais en même temps. Si on arrange la question de la liste électorale, il y a aussi beaucoup de problèmes qui disparaissent. Mais je pense que ça a un aspect pratique. Après, effectivement, la sacralité du vote, ça a un sens aussi. Donc, je pense que si ça pouvait empêcher de l'abstention, le vote en ligne, tant pis pour la sacralité du vote, on le fait. Mais effectivement, le rituel républicain de l'enveloppe, de l'appel, de la signature, de l'isoloir... c'est un beau rituel. Est-ce que c'est un rituel suranné et qu'il faut faire dans l'efficacité? Peut-être. Et dans ce cas, aucune solution n'est mauvaise pourvu que les gens puissent exercer leurs droits démocratiques. Alors, un peu en guise de conclusion, l'un comme l'autre, je vais vous demander quel serait votre argument à vous si vous aviez à convaincre un jeune électeur autour de vous de vraiment d'aller se déplacer. Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous, Romane, peut-être? Je dirais que c'est une façon de faire entendre sa voix. C'est un beau devoir. Et puis, c'est notre façon à nous, citoyens, citoyennes, d'aller parler directement, d'aller donner notre avis directement. Et que ce soit, malheureusement, c'est pas reconnu, mais que ce soit par l'abstention, par le vote blanc ou par le vote pour un candidat ou une candidate, c'est notre façon, pour l'instant, à l'état des choses, de faire peser notre voix. Donc, il faut le faire quoi qu'il arrive. Je pense, oui. Louis? Moi, je lui dirais que s'il ne le fait pas, quelqu'un le fera à sa place.
tout simplement. Donc ne laissons pas les autres choisir pour nous. C'est-à-dire que voilà, c'est une façon d'exercer notre souveraineté citoyenne. Donc si on ne participe pas à l'exercice, des gens le feront et leurs voix compteront plus, de fait, parce qu'elles auront plus de poids. Voilà. On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment donc pour votre participation à tous les trois. Alors vous retrouverez les portraits de nos invités et puis aussi les liens vers les différents sites dont on a parlé, l'appli Élise, etc. Donc sur la page Facebook de l'émission. On n'a pas encore de chaîne Twitch, ça va venir. TikTok, c'est moi mon truc. En tout cas, merci à Emmanuel qui était à la technique. Notre prochaine émission sera le samedi 7 mai. Alors, les dés seront déjà jetés un peu hein, quand même. Alors, d'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission, surtout à la faire réécouter autour de vous par les plus jeunes électeurs qui seraient encore hésitants. Notre émission passe en replay donc sur le site de Fréquence Protestante, donc fréquenceprotestante.com, mais aussi en podcast sur les principales plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google, etc., etc. En tout cas, je vous souhaite, alors mobilisez-vous, allez voter, exprimez-vous, même si c'est une solution imparfaite, elle existe, elle a le mérite d'exister, on a cette chance de pouvoir exprimer la démocratie de cette manière. Bon vote et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée sur notre antenne.